Face au problème de la surpopulation des chats, les scientifiques ont déclaré que tous les chats qui ne sont pas bruns devront être euthanasiés. Les scientifiques disent que tous les tests de sélection prouvent qu'ils s'adaptent mieux à notre vie citadine, qu'ils ont des portées peu nombreuses et qu'ils mangent moins. Des milices de chaque ville distribueront gratuitement des boulettes d'arsenic mélangées à de la pâtée. Tout de suite. Les animaux qui ne sont pas bruns devront être euthanasiés. Ouais, mais bon, on va devoir t'y faire, c'est la loi. Ouais, et ça va toi? Ouais, t'as vu, on est en train de gagner la Coupe du Monde, ça fait 6 ans, j'espère qu'on va gagner les Italiens. Fête demain? Où ça? Ah, ok, ça marche. À demain. J'ai dû faire piquer mon chien hier. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'était pas grand. Mais les chiens? Ouais, mais bientôt il paraît que le pastis sera brun. N'importe quoi. Ouais. Salut! Ça va? Ça va toi? Ça va. Sympa le nouveau chien. Ouais, t'as vu, en plus celui-là il m'a oublié au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse tout un plat pour un labrador noir. Ouais, du coup, j'ai acheté des bières brunes. T'as pas trouvé les blondes? Tu sais que j'aime pas les brunes. Non, il y en a plus en grande surface. Toutes les bières non brunes ont été interdites. T'as entendu ce qui se passait à la librairie? Non. Comme ils précisaient pas la couleur des animaux dans les livres, la milice est venue et la librairie a fermé. En même temps, ça mènerait à quoi une petite rébellion? Bon, c'est le match, ce match ou merde? Ouais, t'as raison. D'ailleurs, les Français ont occupé le bord de droite, celui qui occupait la Croatie lors du match précédent, car le tirage au sort a désigné le Brésil comme équipe. La milice déclare que toute personne ayant eu un chien ou un chat de couleur non brune sera arrêtée et sanctionnée. De suite, une chanson de Charles Trenet.